Waouh! Le saviez-vous? Mes frères et sœurs, ce que nous allons découvrir ici va même vous étonner. Encore des trucs bizarres. Il faut absolument vérifier cette information. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo, activez la cloche. Et cliquez sur ce bouton, allez sur la page d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne, activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Et soyez prêts. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Faites votre propre recherche afin d'avoir des résultats, de bons résultats, de vraies réponses. Depuis le 2, cette star est revenue. Comment ça est revenu? Mes frères et sœurs, c'est grave. C'est ce que les gens sont en train de dire. Les gens sont en train de dire que c'était du buzz et qu'elle est toujours vivante. Et on nous montre encore des messages de sa page officielle où c'est ça nous dit, où c'est ça explique que c'était juste le buzz et que le mercredi, c'est-à-dire demain, aujourd'hui mardi 3, genre le mercredi, elle va apparaître et faire live. Et on montre encore d'autres messages venant des footballeurs que cette personne la connaissait, qui eux aussi sur la page ont répondu pour dire que ah mon ami, on peut faire le buzz sur tout, mais on ne peut pas faire le buzz sur sa mort. Avez-vous vu ces vidéos là, ces genres de vidéos que sont en train de faire le tout sur internet en ce moment? Oui, j'en ai vu, mais moi je ne crois pas encore à cette affaire. C'est pourquoi je vous amène à faire vos propres recherches. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se poser encore des questions de savoir mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a. Cette personne est décédée le 12 août. Les gens n'avaient pas encore fini de pleurer. On vient à peine de l'enterrer le 31. Avec tout ce qui s'est passé, voici encore d'autres choses qui font réveiller les gens. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, suivez-nous. Nous allons voir les réactions d'une fille. Vous allez voir. Et si c'était vrai, quelles seraient vos réactions? La partie commentaire là, vous pouvez réagir. Regardez ça. Cette star en question est ici, comme vous la voyez, tranquille. Et de l'autre côté, on voit les gens qui sont là juste en train de l'accueillir. Ça, c'est une vieille image. C'est une ancienne, c'est une photo qui a été prise quelques temps avant son décès. En fait, si cette personne est vraiment décédée. Et voici quelque chose qui va même vous étonner. C'est cette jeune femme qui va, ou bien cette jeune fille, qui va juste nous donner des informations sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Écoutons-la. Bonjour les amis. Je viens de visionner une vidéo. Je ne sais pas si c'est une blague. Et franchement, si c'est une blague, en tout cas, celui qui s'est fait passer pour Tigui Arafat, qui est mort, il nous a vraiment bien eu. Parce que ça fait 3 jours aujourd'hui que j'arrête pas de pleurer la mort de mon frère Tigui Arafat. C'est un garçon que j'ai beaucoup apprécié. Mais si c'est une blague, que cet enfant n'est pas mort et que quelqu'un s'est fait passer pour lui, je vous demande de visionner la vidéo pour que vous puissiez avoir la nette satisfaction que cette vidéo n'est pas une blague, mais un réel. Si c'est un fantôme qui traîne dans un pays européen, je vous demande de la visionner. Et s'il vous plaît, restez vraiment très poli dans les commentaires. Je vous en supplie. Pour que nous tous, on puisse voir la vérité sur la mort de Tigui Arafat. Je vous demande également de bien regarder cette vidéo. Je suis tellement choquée parce que cela circule sur les réseaux sociaux. Ça circule sur les WhatsApp. Je passe cette vidéo pour que vous et moi soyons rassurés que ce n'est pas un fantôme qu'on a vu, mais bien Tigui Arafat. Si c'est un buzz, franchement, c'est pas une blague. Je n'apprécie vraiment pas du tout. Wow. Je n'apprécie pas du tout. Et pour l'image du pays, vraiment, je ne sais pas comment ils se sont arrangés et qui s'est fait passer pour Tigui Arafat tué dans quoi. Vraiment là,
regardez cette vidéo et dites qu'on discute dans les commentaires. Vraiment, je suis en train de devenir peut-être folle hein, de voir le fantôme de Didier Arafat un peu partout. Peut-être c'est la folie. Mais les amis, regardez bien cette vidéo et discutons un peu dans les commentaires pour savoir si c'est pas un fantôme, si c'est un jeu, vraiment c'est pas drôle du tout. Vous voyez que les gens s'amusent avec tout. Bon, peut-être faut pas trop parler vite, ça peut être vrai. Bon, regardons la vidéo quand même et analysons. C'est parti. Comme là, c'est le départ, mon Dieu, mon côté à côté. Là, c'est prêt depuis ma vie. Attendez, revenez un peu en arrière. Vous allez voir ça, vous allez voir ça. Comme là, c'est le départ, mon Dieu, mon côté à côté. Là, c'est prêt depuis ma vie. On vous a bien hier. Attendez, revenons encore en arrière. Pas drôle du tout. Comme là, c'est le départ, mon Dieu, mon côté à côté. Là, c'est prêt depuis ma vie. On vous a bien. C'est tel qu'elle là, n'est-ce pas? Ah! Vous voyez ce qui a se passé. Bon, on nous dit que cette star est décédée, n'est-ce pas? On dit qu'elle est décédée. Mais pourquoi est-ce que des telles vidéos, ça apparaît sur le WhatsApp, comme elle a dit la femme? Il n'y a pas de souci. Si c'est vrai, et que c'est elle en vie, je pense que la personne qui est ici, là, pourra nous situer sur le cas. Donc, qu'est-ce que les gens doivent faire? Les gens doivent tout simplement appeler cette personne qui est là pour qu'elle nous donne la confirmation de cela. Au lieu de trop discuter. Parfois, les choses sont même simples. On appelle la personne qui est ici, là. Voilà, si vous reconnaissez bien la personne. Et cette personne va nous indiquer, va nous donner plus d'informations par rapport à ça. Sinon, les deux autres personnes qui sont là, nous allons voir. Regardez bien. Voilà. Regardez la première personne qui est ici. On peut l'appeler si elle est en vie. Ainsi que la deuxième personne. Et apparemment, c'est juste pour rigoler. Bon, peut-être que c'était un truc pour rigoler qu'ils ont fait. Peut-être que c'est une vidéo qui a été produite des mois avant ce qui vient de se passer. Mais nous ne pouvons pas nous situer sur le truc. Cette personne qui est là en train de rire peut nous donner des informations là-dessus, puisque c'est elle qui est en train de filmer, n'est-ce pas? Ici, on peut voir une autre vidéo qui apparaît sur les réseaux sociaux qui nous montre que c'est elle qui est en train. Et c'est écrit ici, voici Mogola. Je peux dire le voici quoi. Bien, c'était une courte vidéo que nous voulons partager avec vous. Toutes vidéos sont circulées, c'est pas la première vidéo. Il y a d'autres vidéos où on nous montre les conversations de ces stars-là avec deux stars de football. Pour avoir l'information juste, il faudrait que ces stars de football réagissent ou bien. Mais bien sûr que oui, ne paniquez pas, restez calme. C'est une chose tellement simple. Il y a plein d'informations qui arrivent comme ça. Ce que vous devez savoir, ce ne sont pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, qui sont vrais. Même le diable peut venir mentir. Et puis vous allez penser que c'est vrai. On s'en fout. Tant que tu n'as pas encore vu la chose de tes propres yeux là, ne prends pas position. Ça, ce sont les gens peut-être pour rigoler qui font ça ou bien pour se faire peut-être remarquer. Ça peut être aussi vrai. Tu ne peux pas prendre position, mais tu peux juste attendre. On dit jusqu'au mercredi, non? C'était juste quelques heures seulement. Juste quelques heures. Voilà, tu attends juste quelques heures et on verra. De toute façon, nous sommes tous là. Seul le temps nous donnera raison. Seul le temps nous dira si c'est vraiment lui ou pas. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Surtout, restez calme. Cette fois, restez vraiment très calme.